ma génération, et je pense que les générations là, celles de maintenant et les générations qui arrivent, on n'a pas ce même intérêt. Nous, maintenant, c'est le rapide. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit simple. Et les recettes africaines, en tout cas globalement, généralement, ce n'est pas des recettes qui sont très simples. Je n'ai pas la prétention de dire, OK, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, ce que je propose, c'est des nouvelles recettes pour utiliser ces produits-là. Comme je dis, je n'ai vraiment pas envie d'apprendre à manger, j'ai envie d'apprendre à manger autrement. Et voilà! Ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire qu'à la maison, tu découvres tous les plats avant les autres. Les inconvénients, c'est que quand tu vas dans des restaurants ou des choses comme ça, tu manges toujours froid. Si tu as commandé un plat chaud, parce qu'il faut d'abord qu'elle fasse ses photos, il faut d'abord qu'elle goûte, et après tu peux manger. Petit moelleux, chocolat banane.